Huit médiateurs CARICOM dépêchés en Haïti dans le cadre de recherche et un compromis politique largement large entre acteurs haïtiens déjà rencontré le Premier ministre Ariel Henry, acteur dans la classe politique haïtienne. Demain, vendredi 8 septembre 2023, Yapchita Palé, acteur membre au Conseil de transition HCT. Pasteur Calix Fleridor, une nan membre entité ça, dit yo pral discuter sous plusieurs options ak émissaire CARICOM yo. Gen option qui dit que fok premier ministre la li démissionner avec tout acolyte li. Gen option qui dit que fok yo ta refè yon lot HCT. Et gen option qui dit c'est an nou élargi HCT a mete fèl 5 membres ou bien 7 membres. Donc tout ça ce sont des possibilités sous table là, mais moi espère qu'à la fin de la journée, à la fin de négociation, nous capable de venir une solution côté que tout acteur en grande majorité mette d'accord pour une solution de sortie de crise. Non, rencontre mercredi 6 septembre 2023 entre signataire déclaration Kingston yo ak émissaire CARICOM yo, yo vivement réclamé démission Ariel Henry comme premier ministre. Démission Ariel Henry, selon sa yo di, ap yon étape nécessaire pour faciliter dialogue lan ak négociation yo en différents parties prenantes. Comment pasteur Calix Fleridor, membre HCT, ouais, démarche ça? En politique, yon décision politique pa jan fait unanimité. C'est-à-dire, wap toujours jwenn ganyen d'accord et ganyen yo d'accord sur tel point, mais pas d'accord sur tel point. Mais nous croyons que aujourd'hui, à qui sa pays a besoin, c'est toujours une entente, un consensus côté que la grande majorité acteurs sont capables de sentir impliqués dans la grande décision qu'a prend pour joindre une solution de sortie de crise que pays a li a fait face pendant plusieurs mois et années même. Haïtien yo même espérer médiation carré comme ça pour être capable enfin porter yon avancée significative ak permettre yon sortie crise ka bénéfique pour population pendant que incertitude ak instabilité politique ki nan pays depuis bien longtemps gagnon impact dévastateur sous économie ak bien-être pays d'Haïti. Bonne à tous pour VOA Créole Port-au-Prince.